Mes chers amis et téléspectateurs et amis fidèles de Télézéclairo, nous retournons encore avec mission évangélique pour nous capables de parler aujourd'hui un peu de Luc, et l'évangéliste Luc. Alors, pour nous commencer déjà, pour ton précision, il y a un peu de monde qui pensait que Luc c'était un apôtre que lié parce qu'il écrit livres et le Nouveau Testament, les quatre premiers livres et le Nouveau Testament, c'est un auteur de l'histoire. Donc, il écrit et l'évangile selon Luc. Luc, c'était un évangéliste culté, il n'est pas un apôtre, mais c'était un disciple de Jésus-Christ. Il n'est pas c'était un contemporain de Jésus-Christ, mais il n'est pas ensemble avec Jésus-Christ. Il est venu joindre l'apôtre Paul lorsque Paul était venu converti et que Paul était venu prendre comme un disciple parce que Paul était monsieur, son monde, qui était un bon intellectuel, monsieur, son médecin culté. Monsieur Luc, le docteur Luc, c'est un monde qui naît en Macédoine. Macédoine, c'est un pays grec, la Grèce, un pays grec. Et son ville qui a été fondée entre 140 et 146 avant Jésus-Christ. Donc, Luc écrit deux livres dans le Nouveau Testament, c'est le livre l'Évangile selon Luc. Et puis, il écrit les actes des apôtres. Donc, monsieur, c'est un médecin très, il dit ça, helléniste, parce que son ami qui était remé en grec, et monsieur a écrit le livre en de très bons termes. Donc, il écrit aux environs entre les années 60 et 80. Et parce qu'on dit que Luc, c'est un monde qui était mort. Et dans les années entre 80 et 84. Donc, on voit qu'à bon, une date fixe que Luc est mort. Donc, Luc lui-même, c'était un fidèle serviteur de l'apôtre Paul que l'on accompagnait dans plusieurs voyages que Paul a fait. Il s'est accompagné dans le deuxième voyage, il s'est accompagné dans le troisième voyage. Jusqu'à ce que Paul lui-même lui cite le bon médecin Luc, il citait la donne. Et puis, des fois aussi, Luc et Rélil, le Théophile, qui signifie le bon ami de Dieu, le bon médecin de Dieu. Donc, Luc lui-même, c'est un bon fidèle ami de Paul Cullier. Et lorsque Paul était emprisonné, à Rome, et avant que Paul lui-même était presque fini et réuni, nous capables de dire que l'apôtre Luc t'est accompagné. Il a même dit que Luc t'est en prison ensemble avec Paul. Et Luc écrit l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, c'est l'évangile qui est plus précis, qui parlait de Jésus-Christ. Il parlait en pile de la vie de Jésus-Christ. Il citait 12 disciples de Jésus-Christ. Son livre qui prend un petit peu sur l'évangile selon Marc, qui était écrit bien avant, et sur l'évangile selon Jean qui était écrit là-dedans. Donc, Luc lui-même et son disciple, que nous parlons là, grand chose sur Luc, mais l'évangile que lui écrit, ça permet que nous-mêmes nous joignons et en pile là-dedans. Il parlait, premièrement, plan, l'évangile là, il parlait de la naissance de Jésus-Christ, la préparation et la naissance de Jésus-Christ, que nous commençons jeunes dans le chapitre 1 jusqu'à verset 1 dans 13, et puis dans chapitre 4 jusqu'à verset 13. Et puis, en dehors de la naissance de Jésus-Christ, Luc parlait de ministère de Jésus-Christ, ministère de Jésus-Christ en Galilée, ministère de Jésus-Christ sur le chemin de Jérusalem, et puis le ministère de Jésus-Christ à Jérusalem. Alors, pour nous, on a fait un retour sur la naissance de Luc. Vous avez dit que Luc est lui-même, il était né en Macédoine. Monsieur Pat, un juif. Il était l'évangéliste non-juif. Et monsieur Pat, un juif, même Jean avec Paul lui-même, et même Jean avec l'autre apôtre que Jésus-Christ a choisi. Monsieur, c'était non-circoncis. Non, c'était un non-circoncis, non-juif, et un grec que l'idée. Est-ce que ça permet que, du temps de Jésus-Christ, c'est qu'il y a une sorte de conflit entre monde qui observait Jésus-Christ, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ. Je pensais que l'évangile, Jésus-Christ est venu explicitement pour les juifs.
Donc, ça démontre donc que un non-juif, un grec par excellence, né à Macédoine, monsieur qui part un juif, lui écrit une dans l'évangile. Et le livre, ça, malgré l'écrit dans les années 60-80 jusqu'à 84, eh bien, il faut comprendre que c'est lui-même qui a choisi comme l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a un livre qu'il a choisi, et c'est grand pile qui est écrit. Il a même dit que Judas écrit un évangile également. Mais Jean de Littaro, il a situé, il a considéré comme des apocryphes. C'est des livres qui ne font pas partie du canon de livres que vous devez considérer comme livres qui ont vérité là-dedans. Donc, l'évangile, selon Luc, est considéré comme un livre de vérité inspiré par le Saint-Esprit et tout ça que l'idiot est tombé juste. Et puis, notre dernier bagage que Luc travaille dans Libya, c'est mort et la résurrection de Jésus. Comme tous les tous ceux qui travaillent non, et qui fait l'évangile, comme Matthieu, Marc, Luc également, parlait de résurrection et la mort de Jésus-Christ, que des biens situés. Donc, ça, c'est le grand principe au thème. Et puis, Luc lui-même lui parlait d'une série de monde, les fermentations de série de monde qui est très important dans l'Évia. Par exemple, Luc parlait de Jésus-Christ, normalement, c'est le but principal de l'évangile là, c'est sur la vie de Jésus-Christ, mais également il parlait de Élisabeth, il parlait de Zacharie, il parlait de Jean-Baptiste, il parlait de Marie, la mère de Jésus-Christ, il parlait des disciples, il parlait de Hérode également, et puis il parlait de Hérode le Grand, le roi, puis il parlait de Pilate, il parlait de Marie, de Magdala. Et tout ça fait partie des personnages que Luc lui-même est cité dans l'évangile de Luc. Et puis, il faut faire connaître que l'évangile de Luc, c'est un évangile qui est plus complet dans tout l'évangile, dans quatre évangiles qui existaient. Donc, il faut faire connaître, ça fait, c'est parce que M. Degrom, très bonne culture helléniste, le grec et l'acadie. Donc, il y a des passages même cités. Non, l'évangile de Luc, qu'en quel autre livre de l'évangile, il n'y a pas relaté par Chazaro. Tel que par exemple, dans chapitre 9, à partir du verset 51, et chapitre 18, à partir du verset 35, donc nous voyons par Chazaro dans quel autre livre de l'évangile, les quatre évangiles que nous sortis dans trois autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Jean, et puis Matthieu, Marc, et puis Jean. Voilà. En dehors du livre de Luc, que l'évangile de Luc, Luc écrit, et nous voyons également, et comme nous le disons déjà, que Luc écrit les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est suite du livre de l'évangile de Luc là, il vient parler de la vie des apôtres, comment l'apôtre a commencé, une fois que Jésus-Christ est fini enlevé et monté au ciel, qu'on y a là, les disciples, qu'on y a qui étaient les apôtres, et on pourra commencer vie par eux. Et un apôtre que Jésus-Christ et de Luc mentionnait et bien parlé de lui-même, c'était l'apôtre Paul, que nous sommes capables de considérer comme le 13e apôtre, ou bien celui qui a remplacé Judas, le vrai apôtre, parce que nous connaissons que Matthias lui-même, c'est un apôtre qui était désigné pour le remplacer, mais ce n'était pas la volonté de Dieu du Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même, il a choisi l'apôtre Paul comme un apôtre, et c'est lui-même qui a dû remplacer, et c'est l'apôtre Paul qui écrit et plus de livres, et plus de lettres, plus d'épîtres dans le Nouveau Testament. Donc, le livre principal là, c'est le livre qui raconte la vie des apôtres, comme non livre l'a dit, les Actes des Apôtres. Donc, le livre ça, c'est destiné à Théophile. Et Théophile, et c'est un disciple de Jésus-Christ que Luc a écrit à lui-même. Et puis, il parle de personnages clés que nous venons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous venons aussi la vie de Pierre. Au commencement, nous connaissons que Pierre lui-même, il était fait face avec le Saint-Esprit, et lorsque il était sorti dans la chambre, que le Saint-Esprit était descendu sur la terre pour la première fois, il y a près de 3000 personnes qui s'est converti. Donc, ça, c'est la vie de Pierre, nous connaissons ça dans les Actes des Apôtres. Et puis, nous avons la vie de Jean également, et que nous parlons, la vie de Jacques, nous connaissons Jean et Jacques lui-même, nous avons parlé des arts dans le cours qui nous avons parlé avant. C'est les deux fils de Zébédée,
de M. Sarr, c'était deux mondes qui étaient fait partie des amis intimes de Jésus-Christ. Les parlait de Étienne, qui c'est un martyr, l'un des premiers martyrs. Également Jacques, également, qui était un des premiers martyrs, parce que c'est un des mondes que l'apôtre de Jésus-Christ qui était assassiné, et le premier, disons, qui était mort pour Jésus-Christ, un des premiers et apôtre qui était mort, Jésus-Christ, de même que le disciple Étienne. Et puis Philippe, et puis Paul, et puis Barnabas, Corneille, tout ça, c'est les personnages de les livres, les actes des apôtres. Nous avons pour nous question ça, histoire ça en détail. Et puis Jacques, le frère de Jésus-Christ, il parlait de lui-même, et parce que grand pile monde qui a dit que Jésus-Christ est pas bien frère, mais il parlait de Jacques, le frère de Jésus-Christ. Et puis, il ne faut pas confondre aussi avec Jacques, et fils de Zébédée, qui fait partie comme apôtre de Jésus-Christ, le frère de Jean. Et puis, il parlait non de Timothée, Lydie, Silas, Tite, Apollos, Agabus, Ananias, nous connaissons l'histoire de Ananias et Saphira, Félix, et puis il parlait non de Festus, et puis il parlait non de Agrippa. Tout ça, c'est des personnages clés. Et si nous avons commencé à parler de l'histoire de chaque Mounsao, nous allons finir, je veux dire. Mais nous voulons centrer nous sur le personnage principal qui est écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc, le docteur Luc. Donc, particularité, livre des Actes des Apôtres, et avec l'évangile de Luc et l'Écriat, c'est parce que son livre qui finit brusquement, sans que, par exemple, manquer une suite là-dedans. Par exemple, nous voyons que il parlait nous de la vie de Paul, mais il n'a pas fait de nous, par exemple, comment Paul a perdu la ville. Et c'est des petites histoires qui parlent nous, comment Paul, il parlait nous du troisième voyage de Paul, il parlait nous de l'emprisonnement de Paul. Paul lui-même fait référence avec Luc aussi dans Colossiens, Colossiens 4. Et en plus, l'autre verset encore, il fait référence à lui, comme à comparer Yateri. Mais c'est comme si nous avons les Actes des Apôtres, son livre qui finit brusquement, qui est suite de l'Acte des Apôtres. Donc, livre et Luc Téguin, projet pour l'écrire un troisième livre, pour définir, relater toute l'histoire. Ça, mais livre et Luc, restez-nous sur notre fait, donc il n'est pas fini d'écrire livre ça. Donc, peut-être que dans des jours et des jours encore, il y a bien d'autres récits et qui ont même valeur à le livre des Actes des Apôtres qui est plus longtemps dans l'histoire, plus de grandes choses dans l'histoire de l'évangile de la vie de Jésus-Christ. Par exemple, il parlait des débuts de l'Église, comme dans les paroles de Jean. Et puis, il parlait donc de la venue du Saint-Esprit pour la première fois sur les disciples et les apôtres, et même les non-juifs, les non-chrétiens qui étaient dans la salle, je dis près de 3000. Et puis il parlait donc de l'expansion de l'évangile. Comment l'évangile là, que, comme le mot d'ordre de Jésus-Christ, c'était d'aller prêcher l'évangile partout. Donc Luc, son équipe était voyagé en pile, donc c'est une année qui était accompagné Paul dans plusieurs voyages. Comme M. Pat fait en Israël, M. Sornet qui était fait à Macédoine, M. Grec que M. Déhé, comme nous l'avons dit, eh bien, M. Sornet qui était vraiment voyagé, et il faut reconnaître que les voyages ont commencé à voyager en bateau, et M. Sornet qui était un monde qui était assez bon dans la navigation de bateau. Donc, M. Sénimène qui était accompagné Paul dans la plupart de ses voyages. Donc, M. Parlez-nous de témoignage du Empire Monde également dans le livre. Par exemple, témoignage de Pierre, témoignage de Jean, témoignage de Paul, etc. Tous les mondes que nous sommes cités là-bas. Et puis, M. Parlez-nous dans la dernière partie du livre des Actes des Apôtres. Il a été mis M. en prison ensemble avec Paul. Et il a été battu M. Il a trahi M. Et puis, et les chrétiens ont subi un pile persécution. Ça, c'est une histoire que Luc parlait, non, surtout des disciples et des apôtres qui parlaient un petit peu de la, du témoignage de Jésus-Christ. Et puis, il y a un fait important que Luc parlait, non, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le fait que l'évangile-là est propagé
c'est pas par grâce des hommes, mais par la volonté de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, qui a accompagné les apôtres et les disciples, qui fait que l'évangile est arrivé dans le niveau que Livia, malgré l'oppression, malgré la trahison de les premiers disciples, mais l'évangile l'a renforcé. Et nous regardons qu'il y a là, de nos jours, dans le niveau que pas grand religion qui est aussi puissant que le christianisme, et même si il y a une autre religion qui a adopté un seul Dieu, comme le judaïsme ou bien l'islam, mais le christianisme, c'est une des religions qui prend plus d'expansion dans le monde. Donc Christ lui-même, il a gagné lorsqu'il a dit, disciples, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a des coins encore dans le monde entier que l'évangile a beaucoup arrivé, mais il est très difficile à arriver. Mais c'est au risque de tous ceux qui vont prêcher l'évangile. Ce n'est pas une chose facile. Et il y a des risques, de grands risques, que un monde qui a prêché l'évangile est capable de mourir, est capable de battre, est capable de tuer. Même si l'apôtre Paul dit que l'évangile a son force liée pour ceux qui croient, mais son force spirituelle qui est liée, il peut arriver que les gens qui ont prêché l'évangile sont capables de subir des pertes et des dommages, et même sont capables de perdre la vie autour. Mesdames et messieurs, nous avons campé là avec vous, nous avons pour nous étudier le livre là en profondeur, ça que nous parlons, et puis les miracles que Jésus-Christ a accomplis, et puis miracles également que ils ont parlé du livre des Actes des Apôtres, la vie de l'apôtre Paul, nous avons pour nous ça. Donc, la Bible est une Bible qui est infinie liée. Donc, si nous avons commencé à étudier la Bible, nous avons commencé à connaître l'auteur déjà, et après, nous avons entré dans le livre que nous avons fait, et pour nous capables d'étudier, pour nous capables bien comprendre la Bible. Merci à tous. Nous remercions pour vous suivre. Nous. Si la vidéo a fait plaisir, vous mettez abonné avec nous pour capable toujours gagner un genre de petit message à avoir. Merci à tous et à bientôt.